Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Haven Park. On avait atteint le château et on était presque à nos 4 sur 5 fleurs des neiges. Et dans notre inventaire, on en a 4. Par contre, on est toujours à 4 sur 8 lucioles. Et ça, on va essayer de résoudre ce souci. Kate nous dit, j'ai entendu dire qu'il y avait une légende à propos d'un trésor. Et effectivement, on a déjà trouvé ce trésor. Il y a des champignons, il y a une petite pièce. Ici, il y a un panneau, donc une vue panoramique sur les champs d'or. Ok. Une petite pièce. On verra ce canon plus tard. Je vais déjà finir de faire le tour. Je n'ai pas vu de dernière fleur. Où es-tu, dernière fleur des neiges? Ce serait bien de la trouver pendant qu'on est dans une zone de neige. Ah, une barrière qui était cassée, je l'ai même pas vue. C'est honteux. On regrimpe. Donc elle n'est pas par ici. Elle n'est pas en bas. En tout cas, je la vois pas en bas. De toute façon, je suis tombée en bas. On va faire le tour. Regarder un peu partout. Si on l'aurait pas loupé. Je peux pas grimper. Je ne peux pas grimper. Donc ici, c'est là qu'on avait trouvé la première. On peut aller par là. C'est là d'où je viens. Ici. On a un petit peu de tissu qui a repoupé. On a un champignon. Ah, voilà. Il manquait celle-là. Voilà. Et on a donc terminé la quête. Et du coup, je vais profiter qu'on est de pleine nuit pour retourner au rocher de la tortue, essayer de choper des lucioles. Parce que j'ai l'impression que dans cette zone de neige, on n'est pas vraiment au meilleur endroit pour trouver des lucioles. Il nous en manque quand même un petit paquet. J'imagine que les lucioles sont comme les autres sources, hein, qu'elles repopent avec le temps. Et qu'il suffit juste du coup d'attendre quelques jours pour retrouver des lucioles là où on est déjà passé.
Ah, il y en a une là, il y en a une là. Je veux l'attraper, je veux l'attraper, je veux l'attraper, je veux l'attraper. Donne-moi ma luciole, donne-moi la luciole. C'est envolé. Je peux descendre, je peux sauter là, ça me paraît un peu dangereux. Remonte, remonte luciole. Je vais sauter. Ah, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Arnaque. Le téléphérique s'en va sans moi. Arnaque, ma luciole. Il y en a pas par là. Le téléphérique doit être revenu. On grimpe dedans. Et on va essayer de choper cette luciole. Remonte, téléphérique. C'est le problème de vouloir attraper des trucs qui volent. C'est que ça vole. Alors que moi je vole pas. Je reviens, je me fais coincer par l'arbre, c'est pas grave. Il y a des champis par là. Je veux ma luciole, elle est où ma luciole? Je vais pas réussir à la retrouver. Ça fait l'air de briller bien vert par en haut. Encore faudrait-il réussir à aller en haut. Et j'y vois rien. C'est le problème de la nuit, c'est qu'on n'y voit rien. Et qu'en plus, comme je suis tombé, je retrouve pas mon chemin. Donc j'ai cru voir qu'il y avait quelques lucioles de ce côté-là. Voilà. Ma luciole est là et ma luciole est encore en train de descendre. Et je veux l'attraper, donne-moi ma luciole. Oh non, mais sérieux! Mais revole pas au-dessus du canyon, je peux pas y aller, je peux que descendre. Ma luciole. Remonte, remonte, ouais. Une luciole de plus. Ce qui monte le compte à 5. Et on y a quand même passé une bonne partie de la nuit. Pour avoir une seule et unique luciole. J'essaye de voir un peu si on n'en aurait pas une autre. Pendant qu'il fait encore nuit. Ah, il y en a une en bas, j'ai l'impression. Le feu du puits au souhait manque de bois. Eh ben, tant pis pour lui. Je suis pas au puits au souhait. Je suis en train de faire une chasse aux lucioles. Je suis revenu au niveau du téléphérique. J'ai pas trouvé d'utilité à ça, on peut pas interagir avec. Il y a une pièce en haut là, je te vois, pièce. Ah, je pouvais appuyer sur. Quelque chose à prendre. J'arrive pas à voir la pièce. Tant pis. Oh! Ah! Des lucioles. Plein de lucioles. Voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup de chercher un peu. On en a donc 13. Je pense que pour le coup, 13, c'est plus que 8. Il suffisait de trouver l'endroit où il y avait plein de lucioles. On va donc pouvoir aller retrouver. Que dit notre quête? Notre quête dit Willy du camp du rocher de la tortue m'a demandé de lui trouver 8 lucioles pour son projet de classe.
Bah, trouvons Willy du rocher de la tortue, en espérant qu'il n'est pas parti ailleurs qu'au rocher de la tortue. Et de toute façon, il fait nuit, donc il doit être en train de dormir, tout simplement. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu attraper ces lucioles. Je commençais un peu à désespérer. Mais en fait, non, il y avait des spots, au moins un. Un spot bien pourvu en lucioles. Hey, regarde! J'ai trouvé tes lucioles! Ah oui! J'aurai la meilleure note de la classe, c'est sûr! Merci! De rien, profite bien du parc! Et attends, je presque oublié! Voilà ta récompense! Oh, c'est juste, le caillou! Pas n'importe quel caillou! C'est le plus beau de tout le parc! Prends-en bien soin! Bien sûr, merci pour ça! Donc j'ai eu un beau caillou. Un caillou! Ma récompense pour avoir trouvé les lucioles. Un bien beau caillou. Tout simplement, un caillou. J'en profitais pour récupérer les pièces ici. Et on va donc pouvoir continuer notre aventure. On va donc retourner au château, en essayant de ne pas se perdre. Et je pense que je ne prends pas le chemin le plus court. Ça se saurait, je pense, si j'étais capable de prendre le chemin le plus court. D'ailleurs, je sais plus si j'ai regardé ce panneau. Vue panoramique des champs d'or. Ok, donc on voit les champs d'or de là aussi. Bah non, j'ai absolument pas pris le chemin le plus court, puisque ça fait 3 fois que je tourne autour du même truc. Comment je monte? Par là. Oui, c'était juste une... Oui, c'est ça, c'est 16. C'est juste une petite borne kilométrique. Hop, non, il ne veut pas grimper. On fait le tour. C'est pas grave. Voilà, donc. On a réussi à avoir les 5 fleurs. On a débloqué le chemin, on a toutes nos lucioles. Je pense qu'on commence à être plutôt pas mal. Il y a quelques pièces à récolter. Niveau des quêtes, du coup. Maintien du parc, toujours et encore. Trouver tous les campements, toujours et encore. On a le trouver le baron jaune, qui est quelque part dans la montagne. Et il faut qu'on aille voir grand-maman au mont du pèlerin. Normalement, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi Chobiti va-t-elle par là, alors qu'on a vu que c'était un cul-de-sac? Sauf que Chobiti ne vous a pas montré ça. Cool! Je me demande si ça marche encore. C'est pointé dans la direction du mont du pèlerin. Et du coup... Tadam! Oui, donc ça, je le savais, parce que je l'avais déjà fait, tout simplement, dans une partie précédente, avant un certain nombre de mises à jour, qui m'ont fait découvrir plein de choses, plein de nouveautés, mais j'avais déjà un peu joué, sans tout explorer, sans tout faire, et du coup, eh ben, je savais qu'il fallait prendre le canon. Et j'avouerai que si on le sait pas, on peut
passer quelques minutes à se poser des questions de comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on se retrouve dans un espèce de désert. Pour l'instant, je vais explorer ce qui a l'air d'être en haut. Essayer de pas trop tomber. Quelque chose par là. On va essayer d'aller voir. Une petite surface d'eau. Je vais descendre tranquillement, prendre ce coffre, donne-moi ce coffre. Je devrais pouvoir remonter, peut-être par ici, ouais, on devrait pouvoir remonter par là. Donc tout va bien, on finit de descendre et on va voir ce qu'il y a là. Le baron jaune! Je pensais que c'était une légende, mais je l'ai trouvé. C'est carrément cool. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et du coup, on a trouvé le baron jaune. Cette épave est vraiment bien préservée. Je me demande ce qu'il est devenu du pilote. Le pilote est-il toujours en vie? Depuis toutes ces années? Perdu dans notre parc? Peut-être. Peut-être pas. On va aller par là également. Je suis pas sûr qu'on puisse redescendre si je remontais, si je me laisse tomber. J'ai un peu peur de me laisser tomber et qu'on puisse pas redescendre. Donc je vais pas aller par là tout de suite. Continuer à explorer ce qu'on peut explorer. Donc là, j'ai pris le tonneau tout à l'heure. Et on trouve une vieille mine avec quelques matériaux. Je peux réparer le panneau, c'est parfait. Je peux peut-être récupérer un peu de marchandises. Et le panneau nous dit entrée condamnée, zone dangereuse, ne pas entrer. Ça doit être cool à explorer, peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Effectivement, on ne peut pas rentrer. Et du coup, sur la carte, on est dans cette zone orange que l'on aperçoit en haut. Et on va essayer de trouver notre chemin et trouver grand-maman qui est censée nous attendre quelque part au mont du Pèlerin. Petit champignon, petit peu de bois. Pièce, petite borne. On est sur 19. Donc ouais, on est tout au nord. On est sur 19, c'est parfait. Puis-je avoir cette pièce? Merci, flûte. Il y a des choses en bas. Il y a une pièce. Est-ce que je pourrais redescendre si... Est-ce que je pourrais remonter si je descends? Ça a l'air faisable. Voilà. Donc on continue d'explorer. Là, on est reparti à faire le tour de l'épave. On peut grimper. Tiens, une torche à réparer. Que je n'avais point vu. Ah, et on trouve un dernier campement. Enfin, dernier, peut-être pas. La chapelle du pèlerin. Elle va être par là. Donc, on est sur le mont de pèlerin.
Il a l'air d'avoir une clôture à réparer. Je vais m'empresser de la faire. Ça fait partie de nos attributions. Et il nous reste encore un petit peu de boulot. On en est à 92%. Possible que j'ai loupé des choses. Ce serait dommage, mais c'est pas impossible. Que j'ai loupé des barrières à droite, à gauche. Des petites torches, des petits panneaux. Et on va tout de suite mettre un petit feu de camp pour attirer les campeurs. Donc du coup, on a toujours la baie du phare à finir et on a le mont du pèlerin qu'on est en train de commencer. Donc ici, il y a une petite barrière, il y a un coffre qui est tout en bas. Ok, il n'y a pas de barrière à réparer ici non plus. Et on va pas aller trop loin. Parce que j'aimerais faire... ce campement, tout simplement. Alors, du coup, on va pouvoir mettre un abri. On a un petit peu de tout. On mettrait bien une petite cabane. Je mettrais bien un petit banc face à cette jolie vue. Et on va dire bonjour. Vous aimez le parc, monsieur? Oui, il est magnifique. Le mont du pèlerin est si calme. Je crois que c'est mon camping préféré. Eh, tu serais pas le petit-fils de la gérante du parc? Oui, en effet. Ma grand-maman a pris soin de ce parc de nombreuses années. Je la connaissais. Maintenant, j'ai repris son rôle. C'est une grande responsabilité. Je sais... mais je me sens assez confiant maintenant. Bien, alors le parc est entre de bonnes mains. Piou, piou. Tu fais du bon travail. On va pouvoir rajouter une petite... petit barbecue, un petit camion de nourriture. Très bien, un petit camion de nourriture. Enfin, petit, le mot est faible. Voilà. Et une petite décoration. Ah bah pour changer, parce que je crois que j'en ai mis aucune, je vais mettre une petite torche en bois. On va aller par là. On va voir si on n'aurait pas d'autres choses à faire. J'ai pas l'impression. Ok, on n'a qu'un seul campeur du coup, camp du pèlerin. On va pouvoir... oui, aller par là. Il y a un panneau. Attention, chemin dangereux. Je sens qu'on va glisser. Là, il y a une petite lanterne. On met une petite luciole dedans. Vu qu'on en a récupéré plein. Effectivement, ça a l'air dangereux par là. Est-ce que ça a un intérêt? Comment je suis au niveau de ma quête? 94% de maintien du parc. Je pense que j'ai dû louper des choses. Vu ce que je sais, je pense que j'ai dû louper des choses. Je pourrais prendre ce petit coffre et m'obliger à redescendre. Et du coup, refaire tout le tour. On va donc refaire tout le tour. Le lampadaire est bon. Les clôtures sont pas mal. Il y a de nouveau des choses qui ont repopé. On va prendre un petit peu de matériaux. Il y a des petites choses à souffler, mais ça, c'est
de détails. Je peux peut-être récupérer cette pièce. C'est du détail également. Est-ce que par là, il y a des choses à faire? Il y avait des champignons, mais c'est tout. Le puits aveux ne veut toujours pas parler, j'imagine. Non. Ici, on est pas mal. Alors, du coup, je suis au puits à souhait, le puits à souhait. Puis à soi, il est là. Je veux remonter, donc on va par là. Par là ou par là? Par là, je pense. En y allant deux jours, on va peut-être voir des choses qu'on n'aurait pas faites. Oh non! Le téléphérique est parti sans moi. Donc on est dedans tranquillement. Donc comme je le disais, on est à 94% du maintien du parc. Il nous reste plus que deux quêtes. Donc le maintien du parc et rencontrer grand-maman. Après, il est tout à fait possible qu'on n'ait pas trouvé un certain nombre de quêtes. Hein. Qu'on n'ait pas parlé aux gens, ou pas assez parlé aux gens. Je ne vois pas aller dans certaines directions, j'ai pas fait certaines choses. Même si j'ai plutôt l'impression d'avoir parcouru ce parc en long, en large et en travers. Il n'est pas improbable que j'ai oublié des choses. Hein. Que j'ai pas longé toutes les clôtures, ou que j'avais pas ce qu'il fallait au moment où j'y suis allé. Et que par conséquent, j'ai oublié qu'il fallait que je revienne. Mais 94%, ça me semble un petit peu faible. Alors vous dites, bah oui, mais il y a beaucoup. Mais oui, mais il y a certes beaucoup, on a fait beaucoup. Mais comme vous voyez au niveau des quêtes, il nous reste vraiment plus rien. Il nous reste juste à retrouver grand-maman. Et on le voit aussi au niveau de la carte. Hein. On a tout exploré. Donc... Je vois qu'il y a une pièce en haut de l'éolienne. Je ne sais même pas si je peux y aller. Je voulais pas marchander. Je voulais récupérer les petites pièces qui sont là. J'ai l'impression que ça a un peu bugué. Placer mon pot de fleurs là. Je pense qu'il y a peut-être quelques panneaux que j'ai pas vus, pas réparés. En tout cas, là, on va refaire le tour. Dire que j'ai glissé juste pour aller récupérer un coffre. Et que du coup, on refait le tour. Tranquillement. Alors là, ce sera plus mieux. Donc on va regagner un tour de canon. On a quelqu'un qui s'ennuie, je fais ce que je peux. C'est vrai qu'en activité, j'ai mis des palissades. Non, c'est de la décoration des palissades, je sais plus. Je m'ennuie, on va peut-être
Je peux pas interagir? Ah si, quand même. Je vais leur rajouter une petite balançoire. Normalement. Je sais pas si moi je peux aller dans la... Voilà, moi je peux aller dans la balançoire. J'avais même pas essayé. Ouf! Excuse-moi, je voulais pas l'articuler, je voulais l'utiliser! Ah. Je vais être dans ce sens-là, du coup. Je suis du bon sens, là. Ouais, je suis du bon sens. Voilà. Et on y retourne. Toulon! Allez, on retraverse tout. Est-ce que je suis allé par là? Oui, y a rien à réparer. Il y a un petit bout de bois. Ça ne mange pas de pain. Passer par là, est-ce que je peux passer par là? Non, j'ai pas l'impression. J'étais passé par où? Par là. C'est ça, on passe par là. Je tombe sur le numéro 19 qu'on a déjà vu en haut. On suit le chemin. À peu près. On grimpe. On arrive ici. On arrive donc au mont du pèlerin. Et je pense qu'on va aller à la chapelle, et bien tout simplement dans le prochain épisode, puisque celui-ci est déjà très long. Et je vous laisse donc ici à votre faim, et on verra la chapelle. La prochaine fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis bye bye!